très content de vous retrouver dans cette vidéo, d'autant plus que je vais vous présenter, pour changer, uniquement des affaires de sport, quelques petits hauls que j'ai fait, quelques petits achats, des formations professionnelles. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas tourné de vidéo que je ne sais plus parler à une caméra. Ne m'en tenez pas rigueur, même si j'espère malgré tout que vous apprécierez. Alors, je suis allée chez Decathlon, le sac super glamour, mais super pratique hein, d'ailleurs. Et j'ai aussi reçu des magnifiques baskets de la part de Sarenza. Ça fait longtemps que je voulais des belles baskets. Vous avez déjà vu d'ailleurs sur Instagram mes baskets anciennes qui étaient des roses, Adidas, etc. Et là, j'avais envie de quelque chose de totalement différent. Je suis très girly au niveau des accessoires, j'avoue que j'aime bien le rose. Mais là, j'avais envie de quelque chose de très printanier, très peps. Et quoi de plus peps en fait que les couleurs fluo qui sont vraiment, vraiment top à la mode en ce moment. Pas que top à la mode, je dirais même que c'est un petit renouveau au niveau des baskets et c'est vraiment ce qui revient. Alors là, je les ai pas encore portées pour la simple et bonne raison que ces derniers temps, je n'ai porté que mes roses. Alors je vous avais demandé conseil parce que j'avais très envie d'acheter des Nike Free et d'ailleurs je suis restée sur mon envie de les acheter. J'ai pris les 5.0 TR4. TR Fit 4. Et voilà. Superbe, vraiment. Alors vous avez un mélange de gris avec du jaune fluo, du orange. C'est très peps. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup. Alors j'ai simplement enfilé les chaussures et j'ai marché un peu avec à la maison. Et j'avoue que j'ai bien aimé la semelle. C'est quelque chose d'assez particulier. Quelque chose d'ailleurs qui est propre au Nike. Je les avais essayées déjà en magasin. Elles m'avaient plutôt plu. Et il y avait cette paire là sur Sarenza qui m'appelait, qui hurlait, qui scandait mon nom, qui me disait « Prends-moi, prends-moi s'il te plaît, prends-moi » Et j'ai pas pu résister, je les ai prises. Elles sont splendides. Et cette paire de Nike Free, je les recommande vivement à celles qui sont à la recherche d'une paire confortable, agréable à porter, fun, girly, et même aussi sportive, parce que je trouve que c'est assez acidulé, très sympa. C'est vraiment quelque chose qui change de l'ordinaire. C'est le top du top. Pas pour tuer les tops, mais au moins pour me forcer à courir et pour me forcer à faire du sport. Ce que je fais maintenant tout le temps, ça y est, ça y est, ça y est. Et oui. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit accessoire que j'ai pris aussi en promo Decathlon parce que j'ai trouvé pas mal de promos. Celles-ci, vous pouvez les retrouver sur Sarenza au prix de 115€, je crois. Mais je vais vous montrer le reste aussi de mes articles parce que oh, je trouve juste que c'est trop motivant d'avoir des nouvelles paires de chaussures, des nouveaux vêtements pour aller faire du sport. Surtout que j'ai fait de bonnes affaires. Alors j'ai trouvé un petit haut de survêt que j'ai porté déjà pas mal de fois, donc oui. Il n'est pas étiqueté neuf, etc. puisque je l'ai déjà porté, comme je le disais. C'est un sweat à capuche, ou plutôt un gilet, puisqu'en fait il se ferme avec des zips, comme tous les gilets en fait. Et c'est un gilet Nike que j'ai eu à 20€ au lieu de 45 ou un truc du genre. Vraiment la bonne affaire. Je l'ai trouvé en taille médium, donc c'est très confortable. En plus, bon bah moi j'aime, hein. Il est tout noir, hein, tout basique, sachant que les autres que j'avais étaient peut-être un petit peu plus colorés. Et du coup celui-ci je vais pouvoir l'accessoiriser avec des trucs un petit peu plus sympas, un peu plus différents de ce que j'ai l'habitude de porter. Donc vous avez l'écriture Nike qui est discrète, on n'a pas quand même le gros machin, donc j'aime bien. Et au niveau des couleurs, vous avez le zip rose qui va en fait avec mon sac de sport. Donc j'aime bien mon sac de sport, mon bien-aimé sac de sport qui contient tout d'ailleurs. Et même un soutien-gorge de sport que j'avais acheté aussi en promo que je ne vous ai pas montré. Que je vais vous montrer tout de suite parce qu'il est à l'intérieur. Je l'ai eu à 10€ au lieu de 28 ou 25, quelque chose dans le genre. C'est un haut de sport, soutien-gorge, appelez ça comme vous voulez, une genre de brassière de la marque Domios. C'est le supportif celui-ci. C'est pas le soutien-gorge que l'on voit à la télé, c'est celui-ci. Très pratique. La taille, je crois que j'ai pris un truc comme small, parce qu'au niveau du tour de dos, c'est parfait vraiment. Je sais pas, je le trouve très sympa. En dessous d'un t-shirt, c'est le top, il est vraiment... Moi, je trouve qu'il donne quand même un peu de galbe à la silhouette. Ça dérange pas plus que ça d'avoir un soutien-gorge de sport et d'avoir des affaires par-dessus. Enfin, moi, ça me dérange pas. Je sais pas si vous comprenez ce que je dis, j'ai l'impression de parler une autre langue en fait. Non, je veux dire que ça ne me dérange pas de porter ça en dessous de mes vêtements, dans la mesure où ça fait quand même un joli galbe au niveau de la poitrine. On n'a pas l'impression d'avoir la poitrine toute écrabouillée. Moi, ça me convient parfaitement en tout cas. Et si vous voulez des bons soutiens-gorge de sport, sachez que Domios en fait en grosse solde, comme celui-ci à 10€. J'en ai plein de brassières, je les achète tout le temps en promo à droite, à gauche, là chez Decathlon, dans la partie bonnes affaires. Et d'ailleurs, j'en ai acheté une autre. Il n'y a pas longtemps. Cette brassière, elle est utile pour tous les sports. Si vous êtes une fille, de toute façon, on ne fait pas de sport sans brassière parce qu'autrement, c'est l'effet gant de toilette avec petite savonnette au bout assuré.
Ah oui, je me suis acheté un gymball. Si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, vous le savez. Non, sur Instagram uniquement. Quel privilégié vous êtes. Vous savez que j'ai acheté un gymball, le truc que j'achète tout le temps. Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je le perds, bien entendu. Et en fait, l'ancien, je l'ai retrouvé chez mes parents, je leur ai laissé, bien entendu. Et je m'en suis repris un autre, taille médium, parce que les tailles des gymballs, qui sont ces gros ballons, soit pour faire la gym, soit pour s'asseoir un petit peu dans la journée, pas toute la journée, mais moi je m'en sers en tout cas lorsque je pianote sur l'ordinateur le soir. C'est vraiment très 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 agréable. Au niveau du bas du dos, vous êtes vraiment, comment dire, presque plus à l'aise sur votre gymball que sur le canapé. Parce qu'on a l'impression vraiment que ça, pas que ça épouse la forme de la colonne, mais presque en fait. On est presque comme dans l'eau, on a l'impression d'être presque en apesanteur d'ailleurs. On sautille dessus, c'est assez agréable. J'avais envie de faire ma vidéo dessus. Je me suis retenue parce que je me suis dit que j'allais gigoter dessus. La gamine. Et je crois que vous le retrouvez à 12€ chez Decathlon. Moi, j'ai pris la marque Domios, donc la moins chère. Concernant ce gymball, j'avais un truc à vous dire. Ah oui, regardez bien les tailles parce que ça va selon la taille de votre corps. Moi, j'ai pris la médium parce que c'est pour les personnes au-dessus d'1m65 et en dessous d'1m85. Alors, si vous faites moins d'1m65, vous prenez la taille small. Si vous faites plus d'1m85... Et que vous êtes un homme, donc je suppose, qui regarde mes vidéos, ou une femme très très grande, c'est rare mais ça existe, vous pouvez prendre la large, la big, la, je sais pas, ça se dit big, large. Par contre, je trouve qu'ils sont super malins parce qu'ils savent que ben, vous avez besoin de ça. Alors du coup, vous l'achetez séparément, mais si vous l'achetez en une fois, pas besoin de le reprendre. Moi, j'avais pas de pompe, même pas de pompe à vélo, donc je me suis dit, ça me fera pompe à tout faire. C'est encore une Domios et je l'ai eu à 4€, je crois. Elle marche très bien, contrairement aux anciennes, parce que moi j'avais les anciennes versions, je crois que ça me prenait 20 plombes pour gonfler mon ballon, et là je me suis dit, ben, ça fera tous mes ballons. Et ça gonfle vraiment facilement, et je sais pas, j'ai l'impression que ça me change la vie, quand je vois toutes les autres pompes que j'avais. Je pense que si vous aviez vous aussi des Swiss Ball par le passé, parce que ça s'appelle aussi Swiss Ball, vous aviez des pompes un petit peu bizarres lorsque vous les preniez premier prix, et celle-ci elle est nickel, à 4€ et quelques. Donc je suis ravie. Alors, je me suis pris des serviettes, dont je ne me sers pas encore parce que je ne suis pas encore allée à la piscine, mais ça ne saurait tarder. En fait, c'est simple, c'est des serviettes microfibres, comme les serviettes pour faire le ménage, là, les petites éponges microfibres. C'est très sexy, et c'est des Nabaji, c'est ça la marque. D'ailleurs, je me suis pris aussi les sandales qui vont avec pour faire de l'aquabike. Et je me dis que c'est super cool aussi pour pas choper des trucs très sympas à la piscine, type verrues, mycoses. Sympa. Et donc il y a des petites serviettes Nabaji, celle-ci c'est la 65/90, c'est la moyenne, donc en principe elle va en dessous des cuisses. Et j'ai pris une toute petite pour mon papa et pour moi lorsqu'on fait du sport et qu'on est à l'extérieur. Si vous prenez la voiture lorsque vous allez courir et que vous avez envie de vous éponger rapidement, ça peut être super, sachant que ça se vend côté natation. Et les mêmes serviettes, si vous les prenez par contre, voilà, c'est comme ceci. Celle-ci, c'est la petite. Et je vous disais, si vous allez du côté sport, type running, etc., et que vous voulez ce genre de petit truc microfibre pour sécher rapidement, ça coûte facilement le double ou le triple. Alors celle-ci, elle coûte 2€, je crois, environ. Et celle-là, elle coûte environ 5€. Je vais demander confirmation à mon ticket de caisse qui me dit... Chamoisine, j'adore le nom. Genre en peau de chamois, c'est un peu l'idée. 2,95€ le petit. Et le grand, c'est 5,95€. Voilà. Je me suis pris un petit t-shirt. Alors ce petit t-shirt, je l'ai acheté, je crois, 3€, quelque chose du genre. Un petit t-shirt de sport. Il était dans mon sac. Donc, il est froissé, désolé. C'est un petit t-shirt comme ça, hein, basique. Mais il est très fin, très agréable. Moi, je m'en sers pour faire mon petit sport en salle. Je trouve que c'est très agréable pour les cours collectifs, quand on a envie d'avoir des couleurs un petit peu peps. Et j'ai pris encore autre chose. Je me suis pris un petit top super sympa, violet. En fait, très pratique pour aller courir à l'extérieur. Je ne l'ai pas encore utilisé. Il coûtait... Alors là, c'est la première promo qui était à 19€. Et il coûtait combien à la base? J'adore regarder les affaires. Ouais, 24€ et je l'ai eu à 8 ou 9. Donc il y a une soi-disant brassière intégrée. Personnellement, même si c'est une brassière intégrée, j'en porte une parce que bon, on n'est jamais suffisamment prudent. Et je trouve que c'est super sympa parce que vous allez à un petit cours de Zumba, un petit truc de cours collectif. C'est assez fluide. Je dirais même que pour faire un petit footing, ça peut être sympa. Même si je trouve que c'est quelque chose qui serait plus adapté à du sport en salle. Notamment pour le côté un petit peu... je trouve que c'est typiquement fitness, tout simplement.
Il y a des trucs qui sont aussi à prendre selon moi chez Decathlon, c'est les chaussettes de running, j'en ai pas sous la main. Mais là, je viens de m'acheter des chaussettes pour mon pilates et pour le yoga. Vous allez me dire pourquoi des chaussettes pour le pilates et le yoga? Tout simplement parce que comme je fais du sport sur du parquet et que je suis une psychopathe mais j'ai peur des éventuelles échardes et autres réjouissances, je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir ce genre de petites chaussettes, un petit peu comme les patins pour enfants, là, les petites chaussettes avec le petit truc antidérapant en dessous. Et c'est très 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 pratique si vous faites du renforcement musculaire. Je pense notamment au gainage. Moi je sais pas pourquoi mais mes pieds s'en vont tout le temps si jamais, bien entendu, je ne porte pas de chaussures. Et même d'ailleurs avec des chaussures parfois ça glisse, tout dépend de l'endroit où vous êtes. Mais ce genre de truc ça peut être vraiment très pratique. Sachez que ça se fait, j'en ai des petites roses aussi. Celles-là c'est les spéciales pilates, les roses c'est les spéciales j'en sais rien. Mais c'est des petites roses un petit peu plus fines. Celle-ci c'est en matière microfibre et c'est vraiment très agréable. En tout cas, je vous le recommande vivement. Je me suis pris aussi un petit bandeau pour éviter de transpirer au niveau des cheveux parce qu'autrement, après, ça fait un effet un petit peu gras, je trouve, lorsque vous faites beaucoup de sport. Je ne l'ai même pas utilisé, vilaine que je suis. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire quelque chose d'assez intensif lorsqu'on transpire beaucoup. Donc ça se fait aussi chez Decathlon, sachez-le. J'avoue que je suis quand même... j'ai un peu beaucoup de trucs, hein. Mais j'aime bien aussi être bien armée pour atteindre mes objectifs. Et là d'ailleurs, je m'y suis bien tenue, je vais au sport tout le temps, je suis trop trop fière de moi, je vais au sport. Je vais à la salle de sport tout le temps, je vais au sport, on dirait une petite écolière. Mais oui, vraiment c'est le genre de truc qui me motive, et si jamais vous n'arrivez pas à trouver la motivation, sachez que ce genre de truc peut bien aider. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une petite vidéo sûrement sur mon sport, si ça vous intéresse en tout cas. Et en fait, c'est pas tout. Il y a un autre truc que j'ai trouvé qui est vraiment super cool, c'est encore Domios qui le fait. On dirait que c'est sponsorisé par Domios, mais pas du tout. C'est un petit fuseau de pilates. Et en fait, c'est un genre de long legging qui contient de l'élastane. Donc très 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 pratique. On dirait que j'ai des jambes toutes maigres, mais en fait, c'est extensible, bien heureusement. Enfin, bien heureusement. Oui, bien heureusement quand même, sinon ça fait vraiment pantalon d'anorexique. Mais c'est très 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 pratique. J'aime beaucoup. Et là, en fait, vous avez la bande sans couture, bien entendu, pour être bien à l'aise dans votre petit legging de pilates ou de yoga. Et c'est vraiment ce genre de truc que j'aime bien faire, je trouve que ça motive énormément, surtout quand on a une routine sport assez, comment dire, soutenue. Et je sais pas, moi en tout cas ça me rend heureuse, ça me fait du bien, et je pense que vous êtes pas mal aussi à être dans mon cas. Et juste pour vous remontrer mes baskets, parce que je les trouve juste... Oh super ! Ces baskets. Je vais avoir beaucoup de plaisir à courir avec, je les ai depuis quelques semaines je crois, j'ai pas encore eu le temps de les inaugurer, pour une vraie routine sportive. Mais ça va pas tarder. Je les trouve vraiment canon. Alors voilà les filles, j'espère que cette petite vidéo aura pu vous aider, aura pu éventuellement vous montrer quelques petits trucs qui existent et que vous avez peut-être envie de vous prendre. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la vidéo autant que moi. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.